Jambo ndugu. Jambo sana. Kwa majina ni nani? Kwa majina ni Kambale KVD. KVD, wewe ni muendesha pikipiki, unafanya kazi yako hapa kwenye barabara Kamango, sijui. Mbau uita Kamango. Uita Kamango Nobili, ndio. Tunaweza jua namna gani unafanya kazi zako ijapo barabara inakuwa na shida kubwa sana ya waasi ambao kila mara wanashambulia watu. Okay, ndio. Akse uita Kamango Nobili. Njeko mzuri sana. Sodeko discipline sana kaita wa FARDC. Selemaki kuna waka wakati mnaweza kutira wa jabazi barabara, bo, na njoo mwisho wako pale. Mekwa njia uita Nobili njeko fast yake kabisa. Ndio. Umesha siku ngapi njia na imefunguliwa? Njia 4 mwa inaisha njeko uvere kabisa. Nikusema huko mnafanya mara hiyo mzunguko bila shida kwa barabara hii. Ndio, ile mkatre masuala la selva la senje na kwa wazi hakuna donge kila siku tu tunaenda huko. Hamuna hoga fulani ama kwenye barabara kuna majeshi ambao wanatengwa barabarani kusudi mkuwe na asiransi kama hakuna adu. Ndio. Motare haji kona hoga kwa barabara wicha Kamango paske askari inanja mbau mpaka Nobili. Hiyo barabara. Selemaki adui iko mwenyeko mwerevu anaweza kumblike mestre sio kama iko si control na FARDC. Sasa namna gani mnawasiliana na ile jeshi ambao mnapita kwa barabara? Mnalipa pesa ama je? Jeshi yetu ndio ni kwa sababu tunatumbaka kwa kuvuta tulipake franga soma iko franga monda ni tumbaka kwa tije moya moya paka kwa mtoka Nobili. Kwa kila tije moya tukafika kwenye kuko kwa ni kalaka ifo tuwe tishe mobi mbili paka Nobili. Kutoka pa wicha mpaka Nobili ni pesa ngapi? Unalipisha pesa ngapi? Kutoka wicha paka Nobili tabishaka kichwa mtu moya $20. $20. Ndiyo. Na zamani likuwa ngapi? Donge zamani na sasa beli nakuwa na mnada? Bo, zamani beli kwa neko eleve meleo juu njesha kwa biyesha tangisa njia tulopisha kushua beli. Ndiyo. Na security kwa njia iko namna gani? Unaweza kutueleza? Security ya njia iko bia, hakuna problem. Na nani sasa? Bo, nalo katokea tu kama kwa data yako tenea nenea tu. Menjia kwanza kwa security iko normal kabisa. Hakuna wenzenu wenye washaka kufanya nani ile barabara? Bo, ile donge iko access ya mbinguni, tuletea access ya mbinguni, uicha mbinguni. Juu wakati ni wakati tunakufa haina problem. Wali ile sinyi walilunguzaka kule motoza mingi. Wakauwa watu wa mingi kule, mulikuwa mshakaanza kazi? Ndiyo, kwa mshakaanza wakafungaka wakati mwa hivitina wakafungula nji. Nye mulipokea kele, mulikuwa mulipokea kele nuvele na huko wapi ile habari ya kusema wameuwa watu kule. Mulikuwa kwa huko wapi ni sana? Ile nuvele likuwa niko beni na siko kule. Ndiyo. Kuko siku wenye nawae ushaka tafuta ingia mutego yako? Kusema hapa kabisa kuna pono? Haa, mie bado kwanji. Si ingia mule mutego. Kwa mgini ambao wawu unajua washaka lumilie mwaini barabara? Vengi kabisa. Kwa ngapi wenye unafamia? Kwanza kusemeni nani mwa pase kulikuwa mutare do semeni pase kwa mutare mwa likuwa dimashe na sezer akutana na adui baka muua me wa mingi washaka kufa mbele hatuji ya masiku me washaka kufa mingi wa mutare. Kuna munaelewanaka kabisa vizuri na wateja wenu? Bo, nikuongea tu. Mwana hana ina pesa ndogo, mnaongea tu naye ne defect ke ne afike kwenye iko naenda. Mbona unakupa watu wa 2 ni garanti dola? Normal ema. Ni kompeta kilometre. Ni nona 5 kilometre. Amona kisi kuna gandamizaka watu ya kuna 5 kilometre wanalipa $40 wa 2. Butembo ni 54 kilometre mais wa 2 hawalipaki hata $10. Kama tunatia mole bei pale parce que iko kurse yenye iko ya all risk. Unajua kime ndaenda sama ndarudia be ndabaki yako. Njo maana ile pale. Sene pane morte kinyo ngamo la barale kule ko donge kufunga roho sana. Me unaweza sema kimu unaganyaka mwa ile barabara tunde kusimuliza kwa mwingine ma accident. Ile kwa kweli tunaganyaka. Bima kutuambia hiyo bia sema kabisa ule mwele accident kuko reset kushindia bima kutuambia. Donge accident Nobili. Donge accident wicha ama Beni Nobili. Kuko resete para poro ngine barabara paske ni barabara yenye mtu anaenda kwanja unajua hapa mimi naenda sije kama ndarudia mara mama kama iko mkilio utakatia bei ifonga tewe yenye kwa yulu sana akakatala unabakia tu familia yako kwa familia yangu kwa wicha
Ndiyo. Na unaweza fasi kutatu na hawia enda? Haa, njio kusima kliya wanakosekana, kuna kasa wanakosekana? Kuna kasa wanakosekana. Haa. Mizigo ya wanapatikana? Sana, dongo tunakuku wakati tunabaka mizigo ya kuenda kule bakomersa. Paske gari haiweze kubeba mizigo zote. Yenye ko presi baje ku moto yenye ko yenye yetangani tatarde ina mugari me ya mingi ndaka mutikunani ku moto njo facilite wa kilia ko FRDC ndio litengeneza kile barabara nini unaweza sema ke waliweza kwa waligusaka kabisa bia matengeneza bia sana selema ke huko parti moto litaka tapi rouge pale njo ko discrete juu pale ni tingi tingi me kama barabara iko bia sana walitumika sana kabisa ndio. Basi, unaweza kuwa na ujumbe wako wa kipekee ambao unaweza kupana kwa viongozi ama kwa wote ambao wanafuata? Okay, ujumbe wangu hiyo kwanza kufelicite FARDC. C'est tout ba génie FARDC ba barabara. Kazi barafanya vraiment tunashukuru. Na kiongozi wa FARDC yani general tunamshukuru sana kutufungulia njia kama tunapata maisha kadogo kule barabara. Okay. Moi je fais le taxi moto de Wicha Nobili. Vraiment, la route est bien aménagée et nous avons des soldats dans la route qui sont bien disciplinés. Alors, pour les Kilia, une personne, nous les taxons $20 par tête. Si vous portez des personnes, il faut que vous fassiez $20. Alors, s'il y a discuté, bon, c'est nous discutons avec les Kilia. Mais la route est vraiment très bien asphaltée. Est-ce qu'il n'y a pas de difficulté entre vous, taximen? Et les militaires qui sont placés hein, sur la route donc la route Baoukamango en fait. Non, nous les motards avec les soldats, nos phares d'essai, il n'y a pas de difficulté. Vraiment, les soldats qui sont à la route Mbaou Nobili sont bien disciplinés. Seulement qu'il y a le simple convention de ce qu'on appelle les cigarettes. Deux tiges, trois tiges, deux tiges, un tige à chaque soldat. Mais il ne vous tracasse pas, je veux dire. Non, il ne tracasse pas. Ça, c'est volontairement ou on vous exige ça? C'est volontaire. Parce que, à commencer de 25 km jusqu'à Mkakat, c'est une parc. Alors, les soldats qui sont là, ils ne trouvent pas les cigarettes. Alors, nous portons ça pour les donner, pour les motiver. En fait, toi-même là personnellement, tu parcours cette route en ayant connaissance que c'est une route de la mort? Ça nous connaissons, seulement qu'on dit qu'il faut risquer la vie. Qui ne risque rien n'a rien. Il faut risquer la vie. Donc, toi là, tu manques où travailler pour traverser cette route ou c'est comment? Comme c'est une route là, on peut trouver la mort facilement. Bon, je ne manque pas où travailler, seulement que c'est là où je suis habité de travailler. Pour dire que tu gagnes trop là-bas? Je gagne trop. Par rapport à Ouicha? À Ouicha Otomabere, Ouicha Beni, mais là où nous allons, à Ouicha Nobili, là où nous gagnons beaucoup d'argent, puisque... Comment tu gagnes beaucoup d'argent alors qu'il n'y a pas les gens qui peuvent vous donner quand même facilement l'argent? Ok, il y a un moment donné, vous trouvez soit les personnes, soit... Les marchandises. Monsieur le médecin, chef de zone de Ouicha, bonjour. Bonjour. Est-ce que nous pouvons faire amplement votre connaissance? Bon, je m'appelle Kambal Soeranda, je suis médecin en santé publique et j'ai terminé depuis très longtemps et je suis ici. J'ai préféré venir travailler ici. Après quelques années, 5 années à Kinshasa et à Nyankunda, je suis arrivé ici et j'y suis encore. Vous travaillez à Ouicha dans une zone connue pour sa situation sécuritaire très volatile. Est-ce que vous pouvez nous dire, en gros, comment vous travaillez ici, les difficultés auxquelles vous êtes habitué surtout? Bien, nous sommes en train de travailler avec beaucoup de difficultés. Bon, et on est en train d'essayer de s'adapter à ces conditions-là. Et ceux qui viennent encore, on s'en occupe, mais en général, c'est très mauvais. Et la fourniture de médicaments, est-ce qu'on vous ravitaille suffisamment de médicaments ici? Bon, il n'y a que dans le Nord Kivu, nous avons un seul
centre qui nous ravitaille, les zones de santé, c'est ce que nous appelons la SRAMES. D'ailleurs, une succursale à Moussienene. Mais c'est basé à Goma et avec sa succursale à Moussienene, comme je viens de le dire. Donc c'est ça, c'est de là que nous avons la grande partie de nos produits pharmaceutiques. Ouais. La sécurité a fait que plusieurs centres, plusieurs structures fonctionnent difficilement ou ne fonctionnent plus peut-être. Ne fonctionnent plus. Oui. Est-ce qu'on peut avoir le nombre et... Est-ce que vous nous en parlez Sur combien? Sur 26, il y a 6 qui sont encore en train de fonctionner. Et ce sont des centres qui sont ici à Oicha. Et dans la périphérie, nous avons Mavivi et puis on a Eringeti. Eringeti à la frontière entre le Nord Kivu et l'Ituri. C'est cela les seuls centres qui fonctionnent? Oui. Depuis combien de temps les autres ne fonctionnent plus? Depuis le mois de... Nous sommes au mois de novembre. C'est depuis le mois de mai à peu près. Et ces structures qui ont été obligées de fermer ont versé leur personnel où, monsieur le ministre, chef de zone? Non, ils sont tous ici. Preuve, c'est que nous avons tout le personnel est ici. On est en train de les occuper pour essayer de leur donner des éléments, des notions sur ceci ou cela. Surtout quand il faut, comment il faut s'occuper des épidémies. Comme il y a l'insécurité chez nous, mais en même temps, il y a aussi des épidémies. Et donc c'est ça, nous sommes dans un atelier où nous formons dans ce domaine-là. Monsieur le médecin chef de zone, comment se fait maintenant la prise en charge dans les milieux où il y a des centres qui ne fonctionnent plus? Il n'y a plus beaucoup de gens. Il y en a qui sont ici en grande partie, ici au centre, à Oicha, mais il y en a aussi qui ont quitté la zone de santé pour aller ailleurs, en Ituri, Beni, Kiondo, Butembo, ils sont un peu éparpillés partout. Ouais. Et je parlais de l'accès aux soins, de l'accès, disons, aux médicaments, Est-ce que il vous arrive d'être en rupture de stock de médicaments? Non, heureusement pas encore. On n'a pas encore été en rupture parce que, comme je dis, nous avons un fournisseur, nous avons un centre d'approvisionnement à Butembo, c'est la SRAMES. Donc là, nous pouvons avoir ce dont nous avons besoin. Oui. Sûrement que vous prenez en charge ici des militaires, peut-être même des rebelles, et d'autres blessés, des civils. Est-ce que c'est facile de prendre en charge toutes ces personnes-là, surtout quand on sait que ce n'est pas évident qu'ils payent à la fin? Bon, il y a eu une solution. Depuis le début de l'insécurité ici, il y a la Croix-Rouge qui vient prendre ceux qui sont grièvement blessés et qui les transfère jusqu'à Goma. Ouais, donc là, on essaie, on leur donne les premiers soins ici et puis on vient les chercher pour les amener à Goma. Mais les autres, c'est vous qui vous en occupez? Oui, oui, on s'en occupe ici. Et ils paient leurs factures, même les civils? Difficilement. Bon, on a introduit, je crois que vous devez avoir entendu parler de ce système de gratuité de soins. Oui. Cette gratuité, justement, a été installée, surtout à cause d'Ebola, mais ça nous aide en tout. Quand il y a des malades qui ne pourraient pas se prendre en charge, alors ils en profitent aussi, la gratuité des soins. Elle continue jusqu'aujourd'hui, monsieur? Oui, elle est en train de continuer. Oui. Et pour les autres catégories de la population qui ne sont pas blessés de guerre, est-ce que les gens ne sont pas suffisamment pauvres aujourd'hui, plus qu'hier peut-être, pour être en mesure de payer leurs factures? Bon, justement, c'est pourquoi il y a cette gratuité. La gratuité s'occupe de tout le monde, toute la population. Donc eux aussi, ils sont pris en charge. Ouais. Et est-ce que vous n'avez pas eu jusque-là de problème, peut-être pour avoir soigné un rebelle ou... Non, heureusement, pas encore. Pas encore. Est-ce qu'il est arrivé que des rebelles s'en prennent aussi aux structures sanitaires dans cette région? Oui, Eringeti a déjà été une fois. Mais la MONUSCO avait aidé la structure à reconstruire une grande partie du bâtiment qui avait été endommagé. Et puis récemment, il y a Moussoukou. Moussoukou, c'est à... sur la route de l'ouest vers Mandoumbi. Oui, la structure a été incendiée et on a tué même des gens là-bas.
Et pour la structure de Moussoukou, est-ce qu'il y a un plaidoyer pour qu'elle soit reconstruite? Bon, l'État est en train de faire tout, de mener toutes les démarches. Et nous espérons qu'un jour, ça pourra aller. Mais là, je ne peux pas vous donner une réponse certaine. On peut dire qu'elle est l'une des rares qui fonctionnait encore. Bon, disons oui, parce que c'était vers Mbaou. Donc c'est déjà vers Mbaou, donc elle pouvait fonctionner sans beaucoup de problèmes. Mais voilà, on est allé l'attaquer, l'incendier, tuer des gens. Oui. Et le personnel sanitaire ici, le personnel a grévé pendant beaucoup de temps. Mm-hmm. Est-ce que ça n'a pas eu une décidence sur l'administration des soins? Bon, bien sûr, mais bon, quand il y a la guerre là-bas et puis autre chose, on ne sait plus savoir ce qui a de l'impact, ce qui n'en a pas. Donc le tout, en fait, nous sommes en train de passer par des événements qui sont vraiment très mauvais, qui donnent un impact négatif sur le travail ici. Et comment les déplacés de guerre accèdent aux soins? Bon, les accès, non, c'est justement à cause de cette gratuité. Oui. Oui. Voilà. Et alors, monsieur le MCZ, si on vous demande de faire un message, vous n'êtes pas un politicien, mais si on vous demande de lancer un message, ça serait quoi? Ça serait la prise en charge du personnel ou... Non, non. Le message clé que tout le monde, même ces gens qui passent ici, auraient voulu qu'on dise que cette guerre est terminée. C'est tout. Ouais. Ouais. Alors le reste, ils ont toujours montré qu'ils étaient capables de tout faire d'eux-mêmes à partir de ce qu'ils récoltent chez eux dans leur champ. Ils sont capables de réaliser beaucoup de choses ici. Ouais, ouais. Donc si on me demandait vraiment de donner un message, il faut qu'on vienne terminer cette guerre ici. Ouais, c'est tout. Voilà. Ouais. Monsieur le médecin chef de zone de Oïcha, merci d'avoir répondu à nos questions. Bon, merci aussi d'être venu poser ces questions. Voilà. Ouais, bon, espérons que ça va finir cette histoire, mais c'est vraiment très mauvais pour la vie des gens ici. Merci. Mm-hmm. Juslaine. Juslaine, on a fait un hôpital, on a fait un job, on a fait un job. On a fait un Je suis un peu plus de temps. Maki imeisha siku ngapi na ushatoka baiti? Kwanza imeisha siku mia imeisha kwa ba 3 semaines hivi. Maki ile mtu akishafika kule vya mauaji ukabaki yako ubie walikuwa bale waka turu wa kwanza na toko hayo sie bote na papake huyo. Turu pili ya yeye yenye bale hapa sasa hivi. Mera ni saka kuya huku yeye alienda kae peke. Sasa njo balenda kamuwa. Haya fades njo alifades manager na kodongo. Bali mweka niko mashina kushamba ambo alimtashaka. Bali muta tu siku alienda ka ile na haya fika ta kushamba. Alienda ka siku alifika kana adui na ingia banafata baua mangari busiku. Sasa kuna mnapataka usaidizi fulani ya watu. Je suis un peu plus de temps. Sasa, dawa ya bure,
je vais nasema gratuité iko sijo kama na nyie wewe binafsi ushakapata kwa ile gratuité. Si atia pataka kodawa ya bure. Sasa namuna gani waganga viko bana watunja bana bashurulikia nyinyi kama wakimbizi hapa kupita. Biko na tupatia kwa dawa. Habi kuna chagua kusema baba ni wakimbizi watakosa pesa kisha bana watunja Reja. Basi, kwa majina ni nani? Kavira Islam.